C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chômage en Belgique et à Charleroi. Pour le moment, tu vois, tout est fermé. Il n'y a plus de travail. Manger, on doit manger. Il faut louer l'appartement, l'électricité, télévision. Il faut vivre. Il faut vivre, c'est tout. La ville, je trouve très bien qu'il y ait plus de magasins et qu'il y ait moins de saleté et de voleurs. Je m'ennuie parce que je ne peux plus travailler. Je ne sais plus faire ce que je veux. Ça manque d'animation, alors que c'est une ville qui a du potentiel, mais je crois qu'on en fait juste pas assez, quoi. J'aime pas ici, mais je me verrais pas ailleurs parce que j'ai toujours habité ici, alors je sais pas. Je m'imaginerais pas ailleurs. Le vrai problème, démolir une maison, c'est facile, hein. Mais démolir un cerveau pour en construire un autre, ça c'est beaucoup plus difficile. Nous, on essaie de faire de se relever un petit peu, certainement, hein.
Village de 12 ans, je travaille, j'en ai 50. Et quelquefois, quand je suis tout seul, je pleure parce que je pense à tous mes amis qui travaillent encore. C'est dur. C'est dur, mais ça, il faut l'accepter. La vie est ainsi faite. Pastiglia, si chiama pastiglia, io te la castagna mornata perché non ci capisci. Pastiglia, la piglia di una pastiglia senza me, tutto, pipì, papà, regate, le pili, le bue, le carite. J'aimerais bien que ça redevienne une ville paisible comme avant, où on n'est plus dérangé et qu'on se sente comme chez soi en sécurité. Plus de justice, plus d'équité, plus de chaleur humaine, plus de compréhension de la misère. Un peu de modernisme, un peu d'esthétique, un peu de d'architecture au travers de tout ça. Mais le problème, ce n'est pas les maisons qui vivent à Charleroi. Ce n'est pas les bâtiments qui vivent à Charleroi. Ce sont les gens qui vivent à Charleroi. Oui. J'ai côtoyé la misère de près. Quand on voit une dame qui vit dans une maison à 1000 euros de loyer par mois avec deux chambres et des moisissures partout, c'est impensable, c'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Mais en fait, la personne qui dirige sa ville, puisque c'est le bourgmestre, il faudrait un peu qu'il songe un peu à nous et pas au luxe, son luxe à lui. Thank you.
Des rêves? Ouais, je rêve de devenir pédiatre. Maîtresse, avocat ou hôtesse de l'air, j'hésite entre les trois. Devenir danseuse étoile à l'Opéra de Paris. J'aime bien vétérinaire, mais il y a trop d'études à faire. Sois plus avocate parce que, en grandissant, tu pourras te payer des vacances grâce à être avocate. Je change tout, je mets plus de magasins. Je change les ETF, déjà, je vais les mettre dans un coin, ou alors je leur achète des maisons. Ben, je vais intégrer des règles, des lois. Déjà, la sympathie dans toute la ville. Sympathie avec les gens. Je rends la ville encore plus belle qu'elle est maintenant. C'est pas bonne belle figure, quoi. Quand on est un petit peu mal au cœur, ben, on rit quand même. Ça, c'est les carolas. Pourtant, on nous noircit beaucoup dans tous les pays dans le monde entier, mais Charleroi, c'est Charleroi. C'est le pays noir, mais dans nos cœurs, c'est pas noir, c'est blanc. Voilà.